Si est-ce terrible? Ça fait mal. Sylvie Tellier est victime d'un accident de ski rocambolesque. Elle ne peut plus bouger. Sylvie Tellier est partie en Haute-Savoie pour profiter du grand air et des stations de ski. Malheureusement, le séjour à la neige ne s'est pas passé comme prévu, pour la directrice générale du comité Miss France. Les fins d'année sont toujours chargées pour la directrice générale du comité Miss France. Depuis qu'elle a repris le flambeau de Geneviève de Fontenay, en 2007. Sylvie Tellier arpente le pays à la recherche des beautés les plus éclatantes. Et elle vient justement d'accueillir sa nouvelle recrue, Diane Lair, qui a été couronnée le 11 décembre dernier à Caen. Si est-ce pourquoi, après tant d'efforts, la maman d'Oscar. Margot et Roméo a voulu s'offrir un peu de réconfort en partant skier du côté d'Avoria, en Haute-Savoie. Je n'ai peu déjà plus. Malheureusement, la station Les Portes du Soleil lui a surtout ouvert les portes de l'hôpital. Victime d'un grave accident sur la poudreuse, Sylvie Tellier a été prise en charge et a raconté ses malheurs sur son compte Instagram. Premier bilan, rupture du ligament interne et du croisé antérieur. En attente de l'IRM pour savoir comment vont ses ménisques et si une opération est nécessaire. Si est-il à méga poisse, raconte-t-elle. Pour ceux qui me connaissent, ça va être l'angoisse absolue. Parce que je ne sais pas tenir en place et là, une journée immobilisée sur mon canapé à pas bouger, je n'ai ne peux déjà plus. Quoi est-ce que je vais bien pouvoir faire? Heureusement j'ai mes petits loulous qui me tiennent compagnie. Si est-il terrible? Ça fait mal. Si est-il long? Il faut dire que cet accident va la priver de bien des choses. Après la neige, Sylvie Tellier devait retrouver le soleil des Antilles, puisqu'elle avait prévu un séjour, en amoureux, avec son époux Lourd. Puis elle aurait dû revenir en France et chaperonner le règne de Diane Lair, comme elle l'avait fait l'année précédente avec Amandine Petit. Hélas, les docteurs évoquent 12 semaines de convalescence, et donc de cessation d'activité. Si est-il terrible, ça fait mal. Si est-il long. Tu peux rien faire, regrette-t-elle. Ce qui m'angoisse vraiment le plus, si est-il de ne pas retrouver ma capacité sportive. Parce que le sport pour moi, si est-il nécessaire en fait, si est-il ma bulle d'oxygène. Et là, quand on me parle de l'état de mon genou, je suis hyper angoissée. J'ai envie de courir, j'ai envie de faire du vélo, du paddle, du yoga. Il faudra faire encore preuve d'un peu de patience.